Alors pour le petit déj, j'ai de l'avoine, de l'eau, quelques amandes, quelques bananes. Et là, ça va me revigorer après ce cutting de 3 jours. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis très heureux de vous retrouver. J'ai eu beaucoup de tournois dernièrement. Malheureusement, j'ai pas pu produire autant de contenu que je l'aurais souhaité. J'ai eu le championnat par équipe à Hong Kong où on s'est classé 3e. Malheureusement, la caméra était mal placée. Du coup, l'angle n'était pas le bon et on voyait pas tout le combat. Donc, à chaque fois que j'ai pu monter sur le tapis. Et après, j'ai eu le championnat national de Jiu-Jitsu, donc où j'ai emmené mes jeunes, où ils ont pu se classer dans la premier club des moins de 12 ans. Donc ça, c'était vraiment exceptionnel. Après, on a eu le national de lutte, Curache. On s'est classé aussi premier club national entre 9 et 14 ans. Et là, j'ai combattu aussi, mais... pareil, j'ai pas eu la chance d'avoir un bon caméraman, du coup la qualité des vidéos est pas top. Et après on a eu aussi le national de judo où il y avait que les jeunes qui avaient le droit de combattre. Et donc là aussi on s'est cassé premier club dans les 10-12 ans. Donc là je fais un super boulot avec tous les jeunes que j'ai dans mon club, c'est vraiment exceptionnel, je les entraîne 3 heures par jour alors qu'ils ont entre 7, 8 ans jusqu'à 13 ans, 13, 14 ans et ils viennent tous les jours 3 heures par jour, donc c'est d'une intensité maximum. Et là il y a à peu près un mois, ouais, entre 4 et 6 semaines, j'ai perdu mon assistant. Donc le mec il s'est barré et résultat là je me retrouve à devoir gérer tout le club tout seul. Donc c'est vrai que c'est pas évident avec là il y a énormément de voyages qui arrivent et résultat je dois gérer tous les visas, les billets d'avion, les hôtels machin parce que je voyage tout le temps maintenant avec une quinzaine de gamins et c'est énormément d'organisation quoi. Les années précédentes depuis 10-15 ans je fais tous ces tournois autour du monde tout seul. Mais là, du coup, maintenant, je fais une vingtaine à trentaine de déplacements avec 15 personnes. Donc, la logistique est exceptionnelle, c'est du lourd. Et là, pour l'instant, je me retrouve un peu à gérer ça tout seul, donc c'est pas évident. Mais vous inquiétez pas, je prends les choses en main, tout va s'améliorer sous peu, ça va le faire. Mais d'ici là, je vais avoir de très très gros tournois, j'ai le championnat d'Europe le mois prochain. Je vais aussi partir aux États-Unis là cet été pour des gros tournois avec les gamins et plein de petites surprises. Restez bien branchés, pensez à liker, à vous abonner, à partager et je vous mets quelques images de tout ce qui s'est passé dernièrement. Encore merci à tous. Alors j'ai de la chance d'avoir la gazette locale qui me soutient donc dans toutes les aventures que je fais. Et du coup, ils me font des super articles avec des titres historiques. Donc, c'est vraiment super pour mon marketing. C'est donc, ça me permet vraiment d'optimiser et de capitaliser sur tout ce que je produis, quoi. Parce que, en fait, quand je voyage avec les gamins, c'est très difficile pour moi de faire du contenu parce que bah, là, j'ai 15 gamins à gérer, quoi. Mais il y a des choses qui se passent, ça avance, ça grossit et c'est vraiment exceptionnel. Donc je mettrai le lien de mon club dans la description. Pensez à aller faire un petit tour, à liker la page. Et bien sûr, je vous invite à venir vous entraîner ici en Thaïlande, dans mon club. Et je vous ferai le meilleur entraînement pour devenir la meilleure version de vous-même. Encore merci à tous et à demain. Ciao.